La déconstruction de la muraille de Chine, c'est un moment historique parce que c'est une signature extrêmement importante dans le paysage urbain clermontois. Cette déconstruction, elle a déjà été intérieure, donc avec un grand travail de désamiantage qui a duré pendant de longs mois. Et puis depuis aujourd'hui, il y a une énorme grignoteuse qui vient déconstruire bâtiment par bâtiment pendant plus de 14 semaines toute la muraille de Chine. Cette grignoteuse, elle fait plus de 100 tonnes et le bras télescopique pour aller grignoter jusqu'au 8e étage fait 40 mètres environ. C'est le projet de déconstruction le plus grand d'Europe et il y a des milliers d'habitants qui y sont passés. Donc on est aujourd'hui sur un moment très important qui est la phase finale après le relogement. C'est le début de la déconstruction. La phase de déconstruction de chacun des bâtiments va durer plus de 14 semaines et après il y aura évidemment toutes les fondations, tous les travaux à évacuer. Donc on sera jusqu'à la fin de l'année 2023 sur cette démolition complète. Thank you.